Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente la Gumnir. Vous m'excuserez pour la prononciation qui n'est peut-être pas optimale, de Tesoro. Tesoro, un fabricant que nous vous avons présenté par l'intermédiaire de deux claviers, le Durandal et le Durandal Ultimate eSport, donc clavier mécanique. Tesoro est un fabricant qui a l'intention de venir s'implanter sur le marché européen avec des produits qui sortent un peu de l'ordinaire, tant au niveau des couleurs que des choix de design. Alors ici il s'agit pour le coup d'une souris optique dont le bundle est classique. Nous avons dans une pochette Badge Tesoro, le CD de pilote situé ici, le guide de démarrage, un petit dépliant concernant les futurs produits Tesoro et notamment le Colada qui nous fait clairement de l'œil. La souris en elle-même, je vous la présente de suite, protégée par du plastique. Alors, nous avons droit à une souris dont la coque n'est pas sans rappeler la Kova d'Eurocat, mais pour le coup, pour avoir comparé, c'est juste une inspiration parce que au niveau des dimensions, c'est pas tout à fait identique, loin de là. Donc, la Gumnir a fait le choix de vous présenter un violet qui peut rendre bleu en fonction de la lumière. C'est assez sympathique. C'est, moi, personnellement, je trouve les choix de coloris assez rigolos et ça me plaît. Ceci étant, au niveau des finitions, c'est pas tout à fait ça. À certains endroits, les ébavurages ne sont pas parfaits, les ajustements non plus. Ça se voit ici par exemple. Et le choix des matières laisse un peu sur la fin. C'est du plastique dur, du plastique dur, du plastique dur, un peu partout. Ceci étant, au niveau du prix, à 39 euros, on peut peut-être pas demander la lune non plus. En tout cas, à l'arrière, on le voit, la tête Tesoro, les clics d'un seul tenant, les boutons en forme de chevron, une molette qui a d'écran assez peu marqué, très peu proéminente, sur le côté deux boutons, de l'autre côté rien du tout, juste les deux fenêtres qui feront office de feu de recul et les phares avant qui feront office d'éclairage du tapis. Le câble est gainé, se termine par un USB plaqué or, c'est tout à fait classique chez les souris de jeu. Pardon. Alors, je l'ai testé avant de vous en faire la présentation. Il n'y a rien à dire au niveau de la prise en main. C'est un petit peu anguleux, mais ça ne génère aucun inconfort. C'est une souris ambidextre, ce qui pourra ravir les droitiers aussi, bien évidemment. Au niveau de la glisse, rien à dire. Le soft est tout à fait classique, propose des macros. Manque peut-être un petit peu de bouton par rapport à la production actuelle, mais je le répète, nous sommes à 39 euros, ce qui est quand même pas très très cher pour une souris de jeu. En dessous, deux grands patins qui font très bien leur travail, comme je le disais, le petit capteur. Au niveau des caractéristiques techniques, elle propose donc un certain nombre de pas, 450, 900, 1800 et 3500 dpi, soit tout à fait suffisant. Comme c'est un capteur optique, il encaisse 20 g d'accélération seulement. La distance de lift est à 2 mm, ce qui est un petit peu haut, je trouve. Donc c'est un peu gênant parfois. Le nombre de boutons, 7, je vous l'ai dit. Et je pense avoir fait le tour des caractéristiques intéressantes de cette souris. Et je vous invite à venir lire le test écrit sur cocotteland.com qui devrait paraître assez prochainement. Voilà, donc c'était la Gumnir, excusez-moi encore une fois, de Tesoro sur cocotteland.com. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.